J'ai juste ramassé de la weed avec lui. J'ai 100 têtes de weed. Ça veut dire que maintenant, j'ai juste à les vendre. Ah ouais, d'accord. Mais dis-moi, cette voiture-là, à mon avis, si Rick, je regarde la plaque, elle est volée. Oui, bien sûr qu'elle est volée, mais Rick, ce que tu sais pas, on est du même côté de la loi. Je suis devenu indic officiel de la police. Ah, c'est pas comme ça. Wow. Oh, pardon. Ça va mieux, là. Merci, merci d'être, d'être venu. Hein. Hey. Bonjour. Je te présente Wahida. Wahida, je te présente. Bonjour Wahida, vous allez bien? Je viens de croiser Dick et apparemment il serait recherché. Est-ce qu'on peut, on peut m'expliquer pourquoi? Yo Rick, explique-moi. Je reçois un appel comme quoi il y a un carjacking d'une, d'une voiture de sport. Je le pète, c'est qui? Comme de par hasard, c'est Dick. Malencontreusement, et il a glissé sur une flaque d'huile et là, la moto elle était ouverte. Et ils ont deviné, il a volé ta moto et il a mis 200 mètres plus loin? Et bah voilà. Mauvaise réponse. Et bah voilà. Il dit que c'est mon indique, ok? J'ai rien dit pour la voiture. Ouais, j'ai rien dit pour le coma. Sur... Par contre, pour la moto, ça reste entre nous. Eh, viens, viens. Descends, bah viens, je te montre un truc, viens. Qu'est-ce que tu veux me montrer, toi? Tu vas me déglinguer? Non. Ouais. La tache d'huile, elle est réelle. Le coma, c'est dans ta tête. Vas-y. Ok, ça marche. Bah écoute, le fait que j'ai déplacé ta moto et que je l'ai pas volée, c'est réel. Le fait que je l'ai volée, c'est dans ta tête. D'accord. Et le fait que je t'ai pété et que t'as volé une voiture, c'est dans ma tête. Voilà. Et que t'es glissé, c'est dans ma tête. C'est dans ta tête. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bon? Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. Eh, mais donne un peu d'argent, frère. C'est sérieux, là? Fais gaffe, parce que ça va vite. Bah, justement, bah, donne un peu d'argent. 500, frère. Allez, 200, gars, 200. Vas-y, attends, bouge pas. Donne de l'argent. Ah! Ok. D'accord. Eh Rick, voilà, je voulais te mettre bien aujourd'hui en plus, hein. C'est-à-dire? Bah, si tu veux rester à recueillir des dépositions et ne pas être promu, continue comme ça. Tu es sur la très bonne route. Mais si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu vois ce que je veux dire, C'est des pots de vin, quoi. Ah non, moi et l'alcool, c'est haram. Ouais, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, vous? Bonjour. Chalgoumex, ou... T'es où, Chardouk? Pardon, monsieur? C'est Chalgoumex? Non, c'est pas Chalgoumex. Non, c'est Nathan McNamee, là. Ah, merde, j'ai confondu, je suis désolé. Vous allez bien? Bah, ça va très bien, vous. Bah, ça va. Vous faites quoi en ville, là? Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, je voulais savoir s'il y aurait moyen de passer mon PPA. Ah, bah, pareil, mais apparemment, la police est en sous-effectif, donc ça va être compliqué pour aujourd'hui, malheureusement. Ah, vous travaillez pas ici? Non, pas du tout, non. Non. Je suis un citoyen comme n'importe qui. Ce serait pas Roméo, ça? Ok. Hey. Attends, bonjour monsieur, vous désirez quelque chose? Ouais, c'est pour monsieur le... c'est pour le PPA, il voudrait pas, c'est pour son PPA lui aussi. PPA? Tout le monde PPA? Moi PPA. Ma Drilex, est-ce que vous êtes habilité pour le PPA? Vous avez pas habilité pour le PPA? t'es pas habilité pour le PPA? Non. T'es pas habilité? Non, en vrai, je suis pas habilité, non. Oh non. De ça j'écoute. Ouais, je suis là, viens. Oh, c'est bon. Ok, il y a... Hey, Portugal. Ah, ça va, ouais. Hey, attends, ouais. Ouais, ça va et toi, Rustic? Le monsieur là, il me demande si tu t'étais occupé de lui, il me demande si son amende avait été payée, tout ça, sa peine de prison, tout c'est ça. C'est qui? Comment il s'appelle? Là, derrière toi, lui là. Le Duc. Ah, Duc! Putain, ouais, bah t'as payé l'amende, mais du coup, qu'est-ce que t'as fait là? Ta peine? T'as purgé la peine? Ouais, normalement, ouais. Ouais, normalement. Je voulais savoir si ça a été enregistré, ouais. Je veux savoir si ça a été enregistré. Oui, bah si ça a été fait, c'était enregistré forcément. Bon, Carizo, tu voulais me parler? Bah ouais, tu veux aussi m'appeler d'urgence comme s'il y avait une bombe au Comico, mais vas-y, ouais. Je suis là. Hein. Venez, suivez-moi. Dick, tu remets tes fesses aussi. Voilà, on chuchote? $1, hein. $1, Rick. Ok. C'est le début de la chuchoté, hein. On chuchote, hein. Ok, on chuchote. Ouais, chuchotez les messieurs, chuchotez, ouais. On chuchote. Vas-y, comment ça se fait que okay. Je suis en danger de mort, c'est ça? Ah, mais je croyais que tu t'en foutais. Ouais, tout à l'heure, je m'en foutais. Qu'est-ce qui se passe, mon esprit? Écoute, parce qu'un... Messieurs, vous pouvez vous coller un petit peu par là? Vous pouvez vous approcher un petit peu par là? Voilà, super. Oh parfait. Oui, ouais. Vas-y, pas. Pacho, on est d'accord, personne nous entend, on chuchote, hein. Ouais, personne n'entend. Hier, moi, j'étais... On chuchote. Flaque d'huile. J'étais avec des mecs, là, plusieurs mecs, et ils m'ont questionné sur toute la SPD de chuchote comme ça. J'ai fait genre, je sais rien du tout. Toi, j'ai l'impression que... Par contre, je suis juste en face, je suis mouillé, hein. Je me baisse. Non, attends. Toi, j'ai l'impression que t'es pas trop discret et tout le monde doute de toi en fait. Et encore tout à l'heure, j'étais sur le parking, au loin j'entendais des mecs dire « Oh putain, le boule-boule, le dick, je suis dans le merde, j'ai déjà dick, on va les attraper. » Le quoi? Le boule-boule? Le boule-boule. Dick et boule-boule. Et eux deux, bah voilà. Et moi, toi, je t'aime bien, t'es rigolo, tout ça. Mais bon, c'est bien de rigoler, mais si tu rigoles comme ça et tu fais le mec pas discret,
Et un jour, ils vont venir te chercher, et toi, ça va être bang. Ouais, mais c'est bien aussi de balancer des infos, mais il faut donner des noms, des visages, et surtout une arme pour que je puisse me défendre. Sinon, justement, bang. Mais oui, ouais, mais écoute, écoute, tu peux faire ça discrètement. Là, toi, j'ai l'impression, tous les attends, jours, t'arrives. Attends, oh, mais... oh, oh, Mustapha, mais... viens, 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 toi... t'es un arabe, toi, viens, va faire du thé vert, viens, oh. Toi, un moment, se fais voit... ça discrètement, mon toi... pote. Ah, ok, vas-y, dis-moi comment faire quoi du thé à la menthe discrètement. Y a pas de discrétion, frère. Ah, ça, t'es fou quoi, toi? Et moi, à part faire des parpaings et du ciment, je sais pas faire du thé. Bah hein. Voilà, bah voilà, laisse-moi faire ce que je maîtrise et je te laisse faire ce que tu maîtrises. Ah, mais oui, mais moi, je te... moi c'est un petit conseil. Après, si mon conseil n'est pas bienvenu, ouais, je suis à mon gueule. Tu quoi? Je vous fesse mon gueule. Tu. Ok, d'accord. Tu lui fesses, il fesse, il fesse sa gueule. Il fesse son gueule. Kalabok, ça veut dire. Kalabok. Ah, ça veut dire vraiment la gueule. Et Rick, pourquoi t'es entre nous tous? Mais recule-toi, je sais pas, mais tu vas plus se faire là. Il est... Non, parce qu'en fait, parce que depuis tout à l'heure, il parle comme ça, il parle comme ça, il m'a mouillé le visage. C'est à cause de la plaque d'huile encore, c'est à cause de l'huile. Ah, ok. Eh, non, mais bref, messieurs, c'est pour te dire. Messieurs, c'est messieurs, attention. Ce soir, je veux une protection rapprochée sur la personne de Dick. Je veux qu'il y ait toujours au moins un agent avec lui. Ah, loup. Ok, ouais, je reste faut... avec lui là. Ouais, mais faut, que... ouais, mais faut qu'il y ait un agent en civil. T'inquiète sinon, je suis pas, grillé. T'inquiète pas, je te mets bien. Ouais, mais mets-toi en civil. Si tu veux un conseil, Rick, corta la queue. Hein, pour que là, je sais corta calcine. Corte ou d'un. Eh, oulala, elle est mangeur de morue là. Quoi là, elle est de portugais là, wesh. Parce que là. Si tu veux être discret, mon messieurs, pote. Messieurs, dans cette période de santé, dire ça, franchement, Cort. SCH, doucement. Okay. Ubigode, ta main, Cort Ubigode, page à barbe, ta main. Non mais, Rick. Ah, davai. Rick, Rick, c'est le moins connu. Davai, ça va être du russe. Ah, je suis mort. Rick, c'est le moins connu chez la police. Il se met en civil, je pense que ça passerait hein, s'il reste ouais, avec mais moi. Rick, en gros, tu prends, Rick, tu prends ton service en civil, ok? Ouais, change de coiffure, je pense. C'est ce que je lui ai dit. Tu changes un peu de coiffure. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Change de coiffure, va me changer de coiffure. Tu prends ton service en civil et tu prends la voiture banalisée. Okay. D'accord? Est-ce que je suis. Bien sûr, mais je reste calibré, quoi. Non, mais bien entendu. Mais tu prends juste ton service en civil, c'est-à-dire que tu enlèves ton uniforme, tu prends tes habits normaux. D'accord. Okay, mais j'ai une question, agent. Oui. Comme le monsieur, il peut pas se défendre, il a pas apte de passer le PPA. Si, je suis apte. Que... Je suis apte, frère. Enfin, oui, il est apte, mais il est pas. Enfin, il a pas. Pour il a pas grillé, ce soir, griller ta couverture. Ce soir, tu peux pas le passer, c'est ce que je veux dire. Bah ouais. Trouve-moi un nom. Tu vas t'appeler. Comment est-ce que tu pourrais t'appeler Flaco. Flaco. La flaque. Flaco. Non. Carlito. Pablo. Bah non. Pablo, c'est bon, mais Pablo. C'est Pablo. Pablo. Ouais, Pablo, c'est bon. Soua. Et le nom de famille? Quoi? Termoc. Quoi? Termoc. What? Non. Ah non. C'est un beau prénom, Soua. Non, pas trop. Pas, ça dépend. Mais pas trop, non. Wesh. Bella. Sérieux? Non, vas-y. Dis-moi. Mola. What? Mola Bamba. Ok, je préfère rester tout seul, les gars. Voilà, je préfère rester tout Pedro seul. Miguel. Non, vas-y. dis-moi. Trouve un nom. Je sais pas, ouais, Pedro, Pablo, n'importe, comme tu veux. Vas-y, Pablo. Pablo. Et toi, et toi, qu'on cherche? Et toi? Moi? Ouais. Comment ça, moi, c'est Dick, frère. C'est Irazik, lui, sinon c'est trop suspect. Ok. T'es pas con. T'inquiète. Eh, passe de l'argent, frère. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Wesh, les factures, tout ça. Ça coûte cher, hein. Bonjour. Monsieur. Ouais. Est-ce que je peux savoir dans combien de temps je pourrais passer mon PPA? Oh là, frère. Pour l'instant, il n'y a pas de d'agent habilité à faire passer le PPA. Donc, je vous invite à soit repasser plus tard dans la soirée, soit repasser demain. Ok. Mais c'était plus dans mon casier judiciaire. Il m'a passé 500 dollars. Si il n'y avait pas de... Eh, maintenant, faut que je trouve des victimes. Faut que je prenne le numéro de Rick. Et... Ah, attends. Je vais appeler Lazare. Hello. Ouais, Lazare, ça va ou quoi, mon pote? Et toi? Ouais, tranquille, tu fais quoi? Pour l'instant, je suis à une fête où Johnny il chante l'amour qu'il a pour Walida et qui dit qu'elle devrait se faire dépuceler, toi? Ah, ok. Bah écoute, moi, je suis dans le Comico, là. Ça te dirait de faire un petit run ou pas? De ouf. J'ai tout sur moi, si tu veux. Soit on fait moitié-moitié, soit on peut, refaire le processus, quoi. Je t'accompagne et on fera un petit tour complet, ok? Vas-y, je suis avec Pablo. Test radio. Avec mon pote Pablo. Pablo, c'est qui? C'est un nouveau gars en fait, tu le connais pas? Il vient d'arriver en ville. Pablo. Il sort d'où? C'est un gars sûr? Ouais. Bah écoute, on va le tester. Justement, on va le tester, tu vois. On va voir si ça, c'est un gars marche. Sûr. Écoute, je te rejoins. Bon, J'suis par contre. Ouais, ok, à toutes. Vas-y, à toutes.
Rick, un brigand. Rick, il y a Daniel Duke. Daniel Duke, c'est un brigand. Réfléchis un peu, Rick. J'ai... Attends, deux secondes. Mais j'ai un truc important. Deux secondes, Dick. Vas-y, parle, dépêche-toi. Ok, non, vas-y, je t'en prie. Le truc, c'est que, en fait, messieurs, quand vous parlez... Je l'ai pas vu. Écoutez-moi deux secondes. Quand vous parlez, j'ai l'impression que vous ne faites pas attention à qui est à côté de vous. Là, clairement, vous sortez le dit qui sort à l'heure, il demande à Carito, passe-moi l'argent. Eh, ça, c'est cramé, ça. Ok. Il y a deux personnes, les gars, qui sont dans qu'ils ont entendu, tu vois. Donc, faites gaffe quand vous parlez. Okay, quand vous communiquez, à la radio aussi, faites gaffe. D'accord. Dick, mais j'étais en faible. Écoute-moi, on s'en fout. Ouais. D'accord. Viens, juste tu vas m'emmener au coiffeur. La prochaine fois, les gars. Tu vas m'emmener au coiffeur. Vas-y. Et tu vas m'emmener. Je vais t'expliquer. John. Tu m'écoutes pas. Prends la voiture banalisée. C'est vraiment suspect. Au pire des cas, c'est ce que tu fais. Genre, fais une réquisition. Réquisitionne un véhicule. Si jamais tu veux pas avoir de soucis. C'est bon, je t'en prie. Rick, t'as la voiture ou pas? Tu veux qu'on prenne la banaliser? Ouais, c'est mieux. Non mais t'inquiète, Rick, j'ai un plan de ouf pour faire tomber un gars, ok? Vas-y, prends la voiture, je t'explique. Je vais aller à la fête là. Il va me déposer chez Wahida. Ouais, c'est son anniversaire en plus, non? Ouais, tout à l'heure j'y étais, mais j'ai dû aller au Comico et je sais pas quoi là, il va me redéposer là. Johnny, comment il rappe bien, Johnny? Il a kické sec, mon pote! Franchement, j'étais surpris, hein! Ouais, je sais, hein. Vas-y, on se tient au courant, Bibi. Vas-y. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a Lazare, il m'a dit que tu lui avais donné rendez-vous ici. Ouais, on se cattera plus tard, t'inquiète. Je vais le tenir au courant. Ouais. Vas-y, go parking, s'il te plaît. Rick, en fait, ce soir, on va essayer de faire tomber un mec. Il s'appelle Lazare. Je lui dis que t'étais mon gars sûr. D'accord. Enfin, pas vraiment mon gars sûr, tu vois, mais t'appelles Pablo. Il m'a dit c'est un gars sûr. Je dis bah justement, on va le tester. Mais au final, c'est lui qu'on va essayer de faire tomber, tu vois. Et en fait, si tu veux, sur moi, j'ai 100 têtes de weed. Donc je vais lui en passer 50 et on va aller directement au point de vente, tu vois. Et là, au point de vente, tu pourras l'arrêter si tu veux. C'est comme tu veux. Soit t'appelles du renfort ou soit tu peux sortir de ta couverture et lui dire bah écoute, police, bouge pas, je t'embarque, tu vois. Ok, on verra. Je pense que je sortirai pas tout de suite de ma couverture sinon. Ok. Je vais être cramé par les autres. Vas-y, si tu peux demander à la radio. Je change de peu coup. Ouais, vas-y, go. Et le truc, c'est que. La voiture banalisée, mais ça, c'est mieux, ça. Ouais, écoute, faut que tu demandes à la radio où se trouve le point de vente, comme ça, on galère pas, tu vois. Ouais, je vais leur demander. J'appelle juste Lazare, le gars là. Je lui dis que. 93 pour Centrale. Est-ce que vous savez actuellement où est le point de vente? Est-ce que c'est possible de me le dire? Je suis infiltré, les gars. Est-ce que c'est possible de me dire où est le point de vente pour pouvoir continuer? Ok, Ska. Ils savent où il est? Ah, ils cherchent. Ok. Attends, j'appelle Lazare, je lui dis que je fais 2-3 trucs et puis on arrive à le chercher. Eh. Ouais, Lazare, ça va ou quoi? Tranquille. Ouais, je vais juste chercher ma moto et on se capte soit au parking, soit au Comico. C'est comme tu veux. Je vais au Comico là. Vas-y, ok, bah je prends juste ma moto et puis j'arrive, ok? Ok. Vas-y, à tout de suite. Ouais, ça marche. Ok, on va juste te faire une nouvelle coiffure et puis on prendra ta voiture, c'est mieux. Parce que lui, je crois, il a une moto, donc ça fera un véhicule. Ok, 10-4, je vois. Ah ouais, 10-4, ok. Ouais, je lui dis tout de suite, c'est pour lui de toute façon l'info. Rick, quand même, ça a commencé bizarrement entre nous, hein. Tu m'as tapé dessus, je t'ai volé ta moto et là on travaille ensemble, ouais, c'est fou la vie, hein. Tu sais ce qu'on dit, hein. Tu glisses, ça glisse. Mais par contre, Pablo, tu es arrivé récemment en ville et tu connais Karim Boulboul, ok? Ok. Comme et ça... Le point de vente, il est Ruelle. Ruelle, tu vois, à côté de la Mination. Ouais, ok, c'est bon. Par contre, la voiture, je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais frère, c'est une chicha. C'est une chicha. On prendra une autre voiture, t'inquiète. Tu sais quoi, va faire ta coupe, je vais prendre une autre voiture. Vas-y. Prends une voiture 4 places là. Prendre celle-là, hein. Ça passe. J'ai un plan. Beau gosse la coiffure, hein. Attends, j'appelle John. Rick. Tu sais que le plan, ça va être simple en fait. Je vais prendre Lazare à part. À un moment donné, on sera en voiture. Je vais stopper la voiture. Je vais dire Lazare, viens, va, faut que je te parle. Je vais dire, écoute, Pablo là, je le sens pas trop, tu vois. Je lui ai mis de la weed sur lui. Et moi et toi, on va le piéger. Il va tomber dans le piège. Et au final, c'est lui qui va se faire piéger, ok? Ok. Vas-y. Go Comico. Tac. Par contre, faudrait que tu préviennes John en temps ou en heure quand on arrive sur le point de vente, etc. Tu vois, parce que moi ça va être trop grillé, tu vois. Ouais, t'inquiète, mais préviens-le par message, tu vois, pas par radio. Non. Je change de sap ou pas? Non, c'est bon, le sap, ça passe. Mais faut vraiment faire. Je fais le mec focus, quoi. Genre, quand le mec il est là, je dis non, c'est mon gars sûr, et quand je le prends à part, je fais ah, Pablo, je sens pas trop et tout, tu vois. Ouais, Karim m'a raconté des trucs chelous, blablabla. Donc voilà. T'inquiète. Essaye de prévenir John. Juste avant d'arriver au point, je préviens John. Vas-y, par message, hein, discret. 93 pour 2-7. On se dirige actuellement au point de revente. Ah non, on va prendre d'abord le mec. Attends, j'appelle. Ouais, Lazare.
Ouais, je suis dans la voiture rouge avec Pablo, vas-y monte. Hey Lazare. Bonsoir. Et Roméo il vient pas? Roméo non, il est pas convié à la fête, je pense pas, non. Tu veux qu'on le ramène? Parce que moi, bah je sais pas, moi il m'a dit qu'il avait arrêté tout ça. Il avait arrêté totalement tout ça, il a décroché parce qu'il a deux avertissements déjà avec le gouvernement. Ah bon? Il t'en a pas parlé? Non, pas du tout. Ah bah maintenant tu le sais, hein. Il a deux avertissements avec le gouvernement. Ça sent la merde pour lui en fait. Ah ouais, chaud. Lazare, je te présente Pablo. Pablo, je te présente Lazare. Ouais, salut Lazare. Salut Pablo, enchanté. Je crois que je vous ai jamais vu. Non, il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Ouais, je suis nouveau. Lazare, il y aurait moins que je te parle, s'il te plaît, 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Honnêtement, le mec là, je te fais pas du tout confiance, tu vois. Et du coup, je pense qu'on va le piger en fait, tous les deux, tu vois. Donc, c'est-à-dire bah, tu veux le balancer? Ouais, on va le balancer, toi et moi, on va le balancer, frère. Parce que frère, il est trop bizarre. Il m'a dit, soi-disant, il connaît Karim Boulboul. Frère, je les ai jamais vus ensemble. Il m'a dit absolument, je veux travailler avec toi. Je fais ok. Donc, ce qu'on va faire. Je l'ai jamais vu. Ce pareil, je l'ai jamais vu, frère. T'as des trucs sur toi ou pas? Est-ce que t'as des trucs? Non, vraiment, 100% j'ai rien. Ok. Moi, je lui ai mis des trucs sur lui, tu vois. Je lui ai dit, tu veux vendre et tout? Il m'a dit ouais. Je lui ai dit ok, vas-y, tiens, comme ça, on a tous des trucs sur nous, tu vois. Moi et toi, frère, on va vendre. T'inquiète, frère, tu les jettes, je m'en bouge. On va se faire de la thune, frère. On le balancera après qu'on est vendu, tu vois, comme ça on est tranquille. Ce qui va se passer, c'est que moi j'ai un contact direct avec la police. Quand lui, frère, nous on va vendre en premier, ok? Quand lui il sera en train de vendre, on monte dans la voiture et on le laisse se démerder, tu vois. Et comme ça j'appelle un flic, il l'embarque, boum, il se casse. Et frère, on aura une récompense, on fera 50-50, tu vois. Ok, si tu veux. Okay. Pas de coup de pute? Pas de coup de pute, pas de coup de pute, frère. J'ai déjà eu mes surprises, hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Non, on est au clair. Vas-y, ouais, vas-y. Je te fais confiance. Vas-y, go. T'es la dernière fois. Il est dans la merde. Désolé, Pablo, j'avais un appel en fait. Non, pas de soucis, tranquille. Tout ça à cause d'une meuf. Mais Pablo, du coup, toi, t'arrives au camp en ville? Tu connais Karim? Tu m'as dit que tu connaissais Karim et tout. Ouais, je connais juste. Boulboul. Ok. Eh, tu m'as dit que tu connaissais le point de vente, non? J'ai pas entendu. J'ai dit, tu m'as dit que tu connaissais le point de vente. Je sais pas si vous avez vu, il y a une voiture de flic qui vient passer. Ouais, passé, ouais, tranquille. On a vu. Tu connais le point de vente? Le point de vente, il est. Ouais. Attends, je te mets un point. Vas-y, place-le-moi, s'il te plaît. Ok, merci. Pablo, ça te dérange pas? Ce qu'on va faire, c'est que moi et Lazare, on va d'abord vendre. Tu feras le guet, tu vois. Et après, on tournera. Toi, ouais. tu vendras et nous, on fera les guets. Ça te va? Ouais, tranquille. Ok, vas-y, ça marche. J'espère que la tête de weed, elle est bien. Parce que hier, elle était à 30, je crois. À un moment donné, elle était à 90, à un moment donné. Pas se faire remarquer, ça serait bête. Lazare, sinon, tu racontes quoi? Ouais, pas grand-chose, je viens d'arriver en ville. J'ai croisé Mia tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ouais, elle m'a dit que tu l'avais caressé, d'ailleurs, c'est quoi ces histoires? Non, ça c'est trop. Écoute, on était en train de parler avec Wahida, et j'ai demandé le numéro de téléphone à Wahida. Mia, elle a commencé à venir à s'emmêler en disant « Non, ne fais pas confiance, il a plein de numéros de meufs et tout. En plus, c'est des sales meufs. » Je dis « Attends, j'ai ton numéro de téléphone dans mon répertoire, ça veut pas dire que t'es une sale meuf. » Elle a commencé à bégayer, tu vois. Et du coup, bah, vu qu'elle elle m'a inventé une fausse vie, je lui ai touché ses seins. Je fais « Bah, tu vois, ce que tu racontes, c'est comme tes seins. Tout est faux, tu vois. » Elle l'a mal pris. Juste comme ça, tu sais que c'est ma meuf? T'es sérieux, gros? Je te préviens. T'es sérieux? C'est la mienne. Ah mais frère, mais tu me l'avais pas dit aussi, je suis désolé. Oh, mais je savais pas, ça frère. Ça s'est fait récemment aussi. Celle-là, je te la laisse. Okay. On est bon pote. Même si tu m'as déjà fait des... Voilà, on va pas en parler, bref. Okay. On passe. Les gars, c'est là. Attends, normalement c'est là. Attends, est-ce qu'il est là? Attends, je descends, je vais regarder vite fait. Je crois qu'il est pas là, c'est quoi ce délire? Lazare, viens s'il te plaît, Lazare. Lazare? Ouais. Quand je te dis que le mec il est pas fiable du tout, mec. Un point de vente, il est même pas capable de le trouver, wesh. Nimp. Vas-y, attends. Wow! What the fuck? Wow! Vite, on se casse! Fuyez! Montez! Monte, Pablo, monte! Pablo, monte! Vas-y! Pablo, monte! Ah, je crois qu'il a un souci. Mais c'est qui ce type? Il a un gun! T'as un flingue, mec! Oh, désolé, je t'ai secoué! Mais t'as un gun, mec! Mais t'es qui? Ouais, il avait un taser, je crois. C'était un taser ou c'était un vrai gun que t'avais, Pablo, là? Tu m'as dit que t'as passé le PPA? Ah, mais toi, t'es calibré, en fait! Ah, ouais, lourd! Bah oui! Ah, ouais! Attends. Mais t'es arrivé. Tu viens d'arriver, t'as déjà le PPA? Frère, t'inquiète pas, on a des ressources. Ah bah j'ai pas ce PPA. Ah! Ah ouais, d'accord! Ah ouais, lui, il est chaud, lui!
C'est ouf. Je vais essayer celui-là à côté du coiffeur, on va voir. Tu veux rigoler un peu ou pas? Ouais. Tu sais que la dernière fois j'ai réussi à me faire un peu d'argent, j'étais trop content. Ouais. J'ai tapé une voiture sur le bas-côté pour aller au concessionnaire et m'acheter un véhicule. Ouais. Y'a quoi? Y avait le sergent derrière qui a vu que j'ai volé un véhicule. RIP. J'ai plus d'argent. RIP. Ouais, par contre attention au véhicule quand même. Ouais ouais, ils sont ils s'énervent hein. Les dégâts ils sont énervés ici hein. Bon, on va voir si le point de vente il est là. Si c'est pas ici, on va voir à la plage après. Yes. Ici, je crois que j'ai jamais fait. Eh ben, moi, si jamais c'est ici, je le ferai pas. Ouais, non, mais là, c'est trop. Non, il est pas là, ouais, il est pas si là. C'est trop cramé. Non, si non, il est pas là, il est pas là. Non, il est pas là. Go plage. La dernière fois, il y a deux jours, c'est parti en course poursuite avec la police là. Ah ouais, rip. Vas-y, go plage. Très très chaud. Moi, j'ai réussi à m'en sortir, hein, mais c'était tendu. Roméo s'est fait choper. Ah, t'as réussi à vendre quand même? Non, pas du tout. J'ai juste réussi à m'enfuir. Ah bien, bah, c'est déjà pas mal. Eh, c'est qui y avait avec moi? Je te le dis, mais tu dis rien. Il y avait Mia, j'ai emmené Mia avec moi. Non! Je te jure. Mais putain, elle m'a dit non, moi je touche pas à la drogue et tout. Elle est sérieuse, elle? Sur la tête. Non, mais je te crois. Qui tu veux, c'est vrai. Putain. Je l'ai emmené avec moi. Son premier run, c'est parti en course poursuite. Bon, mais même la plage, en vérité, c'est un peu grillé. Hein. Bon, c'est la plage, c'est très tendu, surtout avec une voiture. Ouais, ouais, ouais. On prendra une moto avant. On verra. Non, on verra bien. On va faire un premier tour déjà, vite fait. Ouais, fais gaffe quand même. Hein. Non, c'est pas là. Ok, donc là, on a fait 3 points de vente. C'est pas ça. Je vais voir les autres. Y a un hélicoptère derrière nous. Non, faut pas s'inquiéter. C'est des hélicos qui passent par là. Ok. Essaye container, Jig. Ok, Pablo, let's go. C'est de quelle origine ça, Pablo? Espagnol. Ah ouais, donc rien à voir avec Pablo Escobar et je sais pas quoi. Non, rien à voir. Ok, tu fais quoi dans la ville, en fait? Un peu de tout. C'est des sous que je veux. D'accord. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Pourquoi t'as ton téléphone tout le temps en main? Ah, parce que faut que j'entretienne mes contacts pour être quelqu'un. Mais tu vas pas faire une entreprise, un truc comme ça, tu m'as dit? Ouais, si. J'ai essayé de prendre l'entreprise de... L'entreprise de quoi? Dépanneur. Ah ouais. Toi, t'as vraiment envie de dépanner les gens, toi, ça se voit, hein? Ouais, mais ça sera une couverture, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ouais, c'est malin, hein. Oh, j'ai vu une moto de flic, là, qui est passée. Ouais, à mon avis, le point de vente, il doit être à gauche, hein. À droite, il y a une moto. Non. Si, tu crois? Si, c'est une moto de flic. On va voir. Si vous voyez une petite table avec quelqu'un... Ah, c'est là. Sur la gauche. Lazare, tu vois ou pas? Ouais, j'ai vu. Sur la gauche. Là, sur la gauche, l'autre côté de la rue. Ah ouais, ouais, c'est bon. Attendez. On va se garer. Vous voulez qu'on procède comment, les gars? Faut pas qu'on soit bête en fait. Vous voulez qu'on procède comment? Ah, faut pas être grillé. Faut déjà la voiture rouge, déjà ça craint. Ouais, ça, on est d'accord. Surtout, moi je vais descendre, je vais faire du repérage pour voir s'il y a pas de voiture ou de moto de flic. Parce que la dernière fois, ils étaient cachés sur les toits. Ok, vas-y, on fait ça. De toute façon, les gars, on a le temps. On n'est pas pressé, les gars. On a le temps. Non, on faire un tour tranquille. Au pire, il y en a deux qui restent en communication téléphonique constante. Vas-y, moi j'ai ton téléphone, Lazare. Pablo, j'ai pas ton numéro de téléphone. Bah, du coup, je vais rester en communication avec Lazare, c'est mieux. On fait comme ça, Pablo? Ok. Moi, vas-y. Je vais chercher une voiture assez discrète. Vas-y, ça marche, vas-y. Celle-là, vous tente celle-là? Ah, mais non. Non, faut qu'il y ait 4 places, tu vois. Trop près, il faut que j'aille la prendre plus loin, parce que sinon... Lazare, moi, je vais aller du côté de... Je vais aller à gauche. Toi, reste... passe par la petite ruelle. Faut qu'on arrive à piéger Lazare, en flagrant délit, tu vois. T'es mal, flic, je le vois là-bas, là. Il est pas discret, lui. Putain, je voulais t'appeler, frère. Viens, je t'appelle, comme ça on reste en communication, ok? Yes. Attends, y'a juste le cul. Ok, c'est bon. Viens, on reste tout le temps en communication. Comme ça, y'a pas de coup de pute ou je sais pas quoi. Vas-y, go, je t'appelle. Ah, ok, c'est bon. Vas-y, je traverse la rue. Je veux voir s'il y a des flics qui sont postés là-bas. Je vais faire un tour en bas. Je vais faire le tour du bâtiment à droite. Vas-y, où, ça marche. Mais là, derrière, la table est derrière. Regarde. La table est derrière. Mais retourne-toi. Ok. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu? Ouais. Ok. Vas-y, attends, je vais voir dans les petites ruelles là-bas. Si jamais y a peut-être des voitures embusquées ou un truc comme ça. Ça marche, je vais faire pareil, je vais regarder ici. Vas-y, je vais regarder sur les toits aussi. S'il y a des échelles, je vais monter pour voir s'il y a pas des mecs qui patrouillent. Je suis en train, moi. T'es monté sur le toit déjà? Je suis en train, ouais. Ok. Tu veux que je commence à vendre et après tu y vas ou bien tu commences ou après comment tu veux que ça, qu'on procède? Ah, vas-y, je vais regarder. Ok. Moi, RS de mon côté. Ni voiture, ni police. Non, là pour le moment, de mon côté non plus, y a rien. J'ai juste envie de checker vite fait la ruelle là. Je la sens pas trop. Non, RS de mon côté. Y'a un toit. Toi, t'es où là par rapport à moi? Puis sur le toit, juste en face de toi. Ah, je te vois. Je suis parti voir dans la ruelle là-bas, y'a rien. Est-ce que tu vois quelque chose sur le toit là? Ici, là où je suis? En haut? Je vois rien du tout. Non, mais tu as un visuel ou pas? Est-ce que t'as un visuel? Ah, ouais, je vois. Ok, nice. Ok, ça veut dire y'a personne. Ici là, le toit là qui est sur le bâtiment là dans lequel je me dirige. Est-ce que t'as un visuel ou pas? Non, t'es où là? Je te vois plus. Je suis en bas. Ouais, je vois, y'a rien. Y'a rien? Ok. Même à gauche okay, là, y'a rien. Bah, à mon avis, ils sont pas sur les toits, hein, ça c'est clair. Hein? À mon avis, ils sont pas sur les toits. Et Pablo, il est où là? Je sais pas, il m'a dit qu'il... Attends, on va revenir au parking, je pense qu'il est parti chercher une voiture. Eh, tu sais quoi, je vais essayer de vendre juste une tête pour voir comment ça rapporte. Hein?
Surveille vite fait, s'il te plaît. Attends, je te dis ça. $90, frère. Wesh, on va se faire des couilles en or. On va se faire 4005 au calme, d'argent propre. Vas-y, vas-y, je t'attends. J'ai un gros visu, là. 4005. Pablo, il est où, là? Je sais pas, je regarde. Surtout que j'ai entendu des sirènes, donc je reste au-dessus, là, non, pour mais, le moment. Ouais, mais les sirènes, ça peut être les ambulances, tout ça, tu vois. Ouais, Je suis pas sûr, je suis peut-être parano, mais je crois que j'ai vu une voiture de flic passer au-dessus. Moi j'ai rien vu. Écoute, je vais aller chercher une voiture parce que mec, on est tous les deux à pied, si les flics arrivent, on va se faire soulever, tu vois. Pablo, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est, tu vois. Je vais prendre une voiture et je reviens, ok? Ok. Vas-y, je vais essayer de trouver une, bah déjà une deux places parce que Pablo, je sais pas où il est. Et nous... Ah, il y a une voiture rapide de ouf, là. Descends, pour l'instant descends, chercher une voiture. C'est ok. C'est bon, j'ai la voiture. Je suis au feu rouge, tu vois. Je vois R. Honnêtement, je vois aucune voiture de flic. Là, pour le moment, je vois rien. Ça me perturbe. Bah non, tant mieux, frère. Tant mieux. C'est pas normal qu'un truc se passe bien avec toi. Ouais, je t'ai serré, frère. Oh, t'abuses. T'es où? Pourquoi il a raccroché? Allô? Ouais, t'as raccroché? Non, tranquille. J'ai pas fait exprès. Non, tranquille. Je suis au niveau du feu rouge dans la voiture de sport noire. J'arrive. Je peux me mettre à côté de la table pendant que tu vends. Je peux te cover, tu vois, ou faire des rondes. C'est comme tu veux, tu vois. Et dès qu'il y a une voiture du flic qui arrive, de toute façon on se casse, mec, j'ai une voiture surpuissante. Ouais, ça marche, on va faire comme ça, j'arrive. Allez, je t'attends. Ouais, c'est moi, Lazare, c'est moi, t'inquiète rien. Je sais. Ok. Hey, Pablo! C'est bon, Pablo, il est là. Attends, c'est bon, il y a Pablo. Vas-y, hey, au pire, commence à vendre, et moi je fais des tours, où je reste à côté de Lazare. Pablo! Vas-y, commence à vendre avec Lazare. Je t'ai donné toutes mes têtes. Ah ouais? Ok. Bah vas-y, je vendrai alors. Reste à côté, Lazare. Vas-y, toi, vendique. Bah, qui va conduire? Vas-y, Lazare, conduis. Non, je veux dire, Pablo, conduit. C'est bon, je vais prendre. Eh, $90 la tête. Ah ouais, chaud. Eh, pas de photo. Waouh. Lazare, vite, viens vendre. Dépêche. Bah, par contre, faites vite, les gars, on va. Je sais pas si vous entendez les sirènes, mais moi, je les entends. C'est peut-être dans ma tête, hein. Non, j'entends rien. Il te reste combien, Lazare? À vrai dire, il me reste pas grand chose. J'ai quasiment tout jeté. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais, rip. Frère, $90, tu rates quelque chose, hein. Ouais, je sais. Après, comme dit, je suis un peu, pour le coup, vous m'avez fait mon baptême, et depuis, c'est vrai que je suis un peu, j'ai quelques doutes, quoi. My bad. Je devrais peut-être te faire confiance, tu vois. Bah ouais, frère, $90, ouais, une voiture, dû là. Mettre ça dans la poche. Là, frère, je suis à 2000 d'argent sale, hein. Nice, c'est propre. Lazare, au pire, ramène une autre voiture, parce que là, on va rentrer dans la voiture sportive, là. Ouais, bah au pire, tu partiras avec, parce que moi, là, j'ai plus rien sur moi. Ok, ça marche. T'as ni argent sale, ni rien. Moi, je vous rejoins avec mon véhicule, si j'ai de l'argent sale. Ok, ça marche. Okay. Je suis vraiment surpris, toutes mes félicitations, t'as rien dit, ça, quoi. Eh, mais t'as cru vraiment que j'allais te balance, frère? Ça me fait plaisir. Ouais. Ah bah d'accord, bah frère, c'est 90$, hey, c'est la première fois que je touche une tête de weed à $90. C'est vrai, je me suis déjà régalé là-dessus. Hein. Non, moi jamais non. Et la deuxième fois, bon bah comme dit, course poursuite quoi, voilà. On m'invite même pas pour faire du nana. Bah si, on est là mon pote, vas-y viens. Et pourquoi m'invitez pas pour faire du nana là? Vas-y viens frère, viens, régale-toi. Bah visiblement vous êtes invité tout seul, vas-y venez. Ouais mais là j'ai pas de nana sur moi, faut que j'aille choper et tout, hein. Oh. J'ai acheté une bouteille d'eau. Faut que j'aille vendre quoi. Bah vous savez quoi, si. Je vais essayer de choper du nana et je reviens, on se recapte. Ah bah le ça temps que tu reviennes frère, on sera parti, hein. Ah bah on s'est au courant, de toute façon dès que j'ai du nana sur moi, je t'envoie mais ça. Lazare, t'aurais dû me passer des trucs au lieu de les jeter, frère. J'aurais vendu. Ouais, j'avoue. Ouais, je t'ai servi toi. Je me suis cassé la tête à faire les têtes de weed. Je savais pas, vraiment, si je pouvais te faire confiance. Non, genre mais... là maintenant, tu vois, je regrette. Avant, ouais, non, avant, mais t'aurais dû me les passer au pire. Je m'en fous que tu me fasses confiance. Au pire, passe-les-moi, frère, c'est de l'argent que tu jettes. Ouais, j'avoue. Je saurais me faire pardonner. Ouais. Ouais. Tu peux compter sur moi. Reste 11 têtes de weed. Je t'ai déjà dit, moi j'ai qu'une parole. Ok, ça marche. Là, ce que je sache, je t'ai jamais rien fait. Il me reste encore 10 têtes de weed si tu veux. Si tu changes d'avis. Non, c'est plutôt plaisir. Je t'accompagne sur ce run, mais d'abord je regarde. Vas-y, ça marche, aucun souci. Du coup, tu vends pas? Donne-moi, je vends alors. Mais je non, vends il a... Bah non, mais il a tout jeté, il m'a dit. J'ai plus. J'ai passé 50, il a tout jeté. Bah ouais. Ouais. Il avait pas confiance. Toi, t'aurais dû me les passer ou je sais pas, vendre un peu et me donner, je sais pas, tu vois. Ouais, j'avoue. Ouais, t'aurais dû me les donner, je les aurais vendus à ta place, bon, ça c'est. Bah, allez, ouais, mais déjà ça me perturbe que tu sois là, tu vois, alors qu'on te connaît pas. Ouais, mais bon, ça c'est un gars sûr, regarde, on n'a pas eu de soucis, regarde. Je vends tranquille, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, t'as vendu, tu prends la voiture volée là-bas. Monte avec lui si tu veux. Vas-y, Lazare, viens. Ah, ok, let's go. Souci, camarade. Ouais, faut que j'aille blanchir l'argent maintenant. Sans souci. Du coup, je pourrais faire le guet tranquillement. Bah, non, mais tu sais, blanchir. Ah, ben ça, t'as ça pas besoin. Pas, ouais, Putain, il a pas mordu à l'hameçon. Mais au moins, maintenant, il a ma confiance, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que plus tard, je pourrais lui faire du sale.
Mais Pablo aussi, je le sentais pas trop, tu vois, mais bon, t'as vu, il a fait le taf, hein. Il a fait le gueule, il a ramené une voiture. Mais voilà quoi. Pourquoi il a rien dans ses poches? Je sais pas, j'ai pas compris, frère. J'ai pas compris. Tu l'as rencontré comment, ce type-là? Bah, devant le Comico, en fait. Devant le Comico, tu vois. En fait, il était devant. Devant le Comico, toi, tu vas chercher tes plans pour la weed. T'es pas un peu teubé? Non, mais il paraissait genre, tu sais, normal. Tu sais, il avait l'air bien sapé, tu sais, avec une grosse voix et tout. Il m'a dit, je suis calibré et tout. Il a vachement l'air normal. Non, mais il est calibré! Non, mais le mec, justement, il est calibré. Bah oui, il est calibré! Mais ça veut dire qu'il a de l'argent! Il tabasse des moldus! Mais attends, à ton avis, comment il a eu de l'argent habillé comme ça? Il s'y connaît, frère! C'est tout! Ou alors il tape dans la coke, ou alors il tape dans les putes! Je pense la première option, en vérité. Hein. 5 000 $ d'argent sale, frère! Hein. Nice, pour 50, quoi! Pour que 50? Bah ouais, pour 50, ouais! Ouais, oui! Salaud, va! Mais je pouvais pas savoir. Mais c'est ta faute aussi, si t'arrêtes de nous niquer la gueule tout le temps! Je te l'ai dit pendant ton route, tu m'as dit ok! Wesh! Ouais, c'est vrai. Arrête d'être parano! Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais allez, c'est pas grave. Au pire, on peut faire tout un processus après, hein. Moi, je m'en fous, hein. Ah ouais, moi, je suis là. Hein. Moi, c'est bon, ça me va. Ok. Bah, faut dire un truc. C'est quoi? Même le blanchir, je suis pas obligé de le trouver maintenant, on s'en bat les couilles en vérité, tu vois. J'y vais parce que. Pff, ouais, je sais pas. Tu veux pas qu'on aille récolter directement? Parce que, tu sais, l'argent sale, on s'en fout en vérité, tu vois. Ça va prendre du temps et tout. Peut-être 3 heures, je m'en fous, tu vois. Du coup. Attends, y'a Roméo qui m'appelle. Hello, Roméo! Allo. Ouais, ça va quoi? Et toi? Ouais, je suis avec Lazare, on va faire du nerf au calme. Vous y êtes là? Non, en fait là je suis parti vendre avec Lazare. Là je me dirigeais vers le blanchisseur, mais en fait je m'en bats les couilles, on va directement récolter, transformer, etc. tu vois. J'essaie de trouver les points. Ouais, vas-y, je veux bien. Ouais, ce serait cool. C'est juste. Comment ça, j'ai des problèmes avec le gouvernement? Ouais, tu m'as dit que t'avais des problèmes avec le gouvernement, ouais. Lazare il m'a pas cru, mais je lui ai expliqué, tu vois. Moi je t'ai rien dit. Ah, bien sûr que tu m'as dit, frère, hier, tu te rappelles pas? Non. Ouais, j'étais sérieux, tu m'as dit que t'avais 2 investissements avec le gouvernement et le prochain, le visa expiré, je sais pas quoi. Ah, mais non. Ouais. En fait, c'est après, si je me refais choper, quoi, en fait, c'est. Je passe peut-être 3-4 heures en taule. Ah, bah moi, bah non, mais quand tu m'as dit 2 avertissements, moi je pensais que c'était comme Nicolas, tu vois. Bah dis pas ah, ça. Bah, nous, ah, mais non. Ouais, ok. Non, vas-y, ok, ça marche. Bah j'ai mal compris alors, tranquille. Okay. Vas-y, bah j'attends que tu me passes les coordonnées, puis on arrive, on débarque. Dis ok, je t'envoie ça. Ah, ok, bébé. C'était Roméo. En fait, non, c'est pas genre visa expiré, mais c'est genre il va passer 3 ou 4 heures en taule, tu vois. Mais en gros, c'est un truc sale, quoi. Il va passer masse de temps en taule, s'il se fait rechoper avec de la drogue, quoi. Ouais, j'étais en train d'écrire à Mia parce qu'elle me fait une crise de jalousie parce que je suis parti en voiture avec toi. Ah, ouais, putain, tu as dit que ça. Je suis en train de me faire pas. Avec Dick, tu l'as dit avec Dick. Je suis en train de me faire passer un savon, mais violent. Tu l'as dit avec Dick? Bah oui. Ah ouais, rip. Elle bah m'aime oui. pas, elle m'aime bah, pas, elle, frère. Mais elle était. Mais c'est elle qui m'a emmené au Comico et. Bah genre, je lui ai même pas dit que je partais avec toi et tu m'as embarqué en voiture, je me suis cassé, je l'ai laissé là-bas. Ah oui, elle était devant, ouais, c'est elle vrai. Elle m'a ouais. dit, ouais, t'aurais dû me dire que tu partais avec Dick, c'est tout, c'est comme ça, nanana. Lazare, tu veux que je te passe d'argent sale ou pas? Non, ça va. Ok, ok. Non, je vais le faire moi-même avec toi. Ah ok, RPB. Garde ce que t'as dans les poches. Ah oui, bah là, je le garde, hein. T'as combien sur t'as ton... combien sur toi, là, d'argent sale? Putain, j'allais te demander ça. Attends. La même question. Attends, je crois que j'ai... Attends. 5 235. Ah, ça a rien à voir, moi j'ai 1094. Ah ouais, et sur mon compte en banque, j'ai 7 000 ou 8 000 d'argent sale. Wow. Ah ouais, nice. Ah ouais, mon gars. Moi, j'en ai plus, hein. Vol de véhicule, accident, destruction de biens publics. Ah merde. Plus encore l'amende que j'avais à payer de la première fois que j'avais pas payé, qu'il fallait que je paye avant le 6. Ouais. Ah ouais. Elle est combien? Du coup, j'ai donné. J'avais 2500 à payer. Hein. Putain. Parce qu'en plus, j'ai pris la voiture volée. Hein. Mmh. Ils m'ont tout collé sur la gueule à cause de vos bandes d'enfoirés là, avec vos bails de Nicolas ou je sais pas quoi. Quelle voiture volée? Moi j'étais pas là. Quand on était sur l'autoroute là, j'ai quitté. Non. Avant le premier là. Ah là oui. Ouais, exact. Ah, ils m'ont collé la voiture et tout, hein, rip, là, total. Rip. On dit ouais, je m'en fous, c'est pas Karim, c'est pas Dick parce que c'est vous qui conduisez. J'ai dit ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Et, si, ok. Et puis du coup, après, avec le peu qui me restait, je suis allé m'acheter une enduro. Donc là, je suis à sec. Ah, sec. Attends, y'a Pablo qui me dit t'es où hein? Déjà, on arrive, on trouve le point de récolte et après, je lui dis on est, ok? Yes. Je lui ramène une voiture. Comme ça, tiens, on y va tous charger. Et Romo, il charge le point là. Ok. Attends juste à Pablo, je lui réponds juste, je lui dis qu'on cherche le point de truc. Désolé. Non, t'inquiète, je m'en charge. Depuis tout à l'heure, elle m'écrit, elle veut ma position et tout, mais je lui donnerai pas. Je sais que moi, elle me balancerait jamais, mais avec toi, ça pourrait peut-être être différent. Comment ça? J'ai confiance en Mia. Ça, c'est ma meuf sûre maintenant, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'elle t'aime pas. En fait, la vérité. Je dis la vérité, c'est pas qu'elle m'aime pas. En fait, elle aime pas surtout Karim. Moi, tout à l'heure, elle m'a dit non, en vérité, j'ai rien contre toi. J'ai posé plainte contre Karim. Et vu que t'es son frère, je t'aime pas. Je dis, mais attends, mais Mia, réfléchis 2 minutes. C'est pas parce que c'est mon frère que tu dois me détester. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai. T'sais et après, tranquille quoi.
Tu sais que j'ai menti pour sauver le cul à Karim. Hein. Ah ouais? Elle a pas déposé plainte, hein. Je lui avais dit que je lui avais pété la gueule. Alors que c'est pas vrai. Hein. Et du coup, t'as fait combien de runs avec elle? Un seul. Ah bah un seul, ça s'est très mal passé. Ah! Et tu lui fais confiance? Ok. Ouais, je lui fais confiance. Ouais, mais y avait les flics étaient embusqués en fait, on les avait pas vus. Ah, et okay. Bah, j'étais pas là. Nous, on j'étais était en train de guetter. Non. Mais on l'a vu descendre du toit en fait. Le flic? Il était c'était Sourdouf, je l'ai reconnu. Ah ok. Ouais. Il était caché sur le toit et il a sauté du toit. Lui c'est un ouf hein, il fait trop le Rambo. Ouais, il a de sales histoires en plus hein. Sourdouf? Ouais. Comme quoi?